Il est 7h du matin et je pars au travail. Il fait nuit, évidemment, c'est pour ça que le plafonnier est allumé. L'idée est de vous faire une petite journée avec une GoPro Hero 5 Black. Donc comme la vidéo de hier, mes 15 plombes à s'envoyer, etc. Je me suis dit que j'allais tourner des vidéos tout au long de la journée. C'est un peu l'idée de ce truc-là. Tout au long de la journée. Les moments où je serai seul dans la journée, je viens d'arriver dans un nouveau travail, donc je vais peut-être pas faire des podcasts en plein milieu du plateau, ça serait pas terrible. Comme ça ce soir je rentre, je monte la vidéo, bam, et vous avez une vidéo en 4K, paf paf paf, direct dès que vous arrivez le soir à 20h. Ça c'est cool. Si vous regardez cette vidéo jeudi soir à 20h, c'est que j'ai réussi. Sinon c'est que j'ai chié dans la colle comme une grosse merde. Donc l'idée là c'est de tester la qualité audio. Alors j'ai forcé hier les micros changer de temps en temps. C'est parce qu'en fait en automatique la caméra passe du mode réduction de bruit, réduction du vent à stéréo. Là je l'ai forcé en stéréo tout le temps. Donc on va voir si c'est mieux, si c'est pire. On va voir aussi avec le plafonnier allumé, voir la qualité que ça donne, voir si c'est réellement dégueulasse. Je pense, enfin, y a, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit pourri là quand même. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et puis vous me direz tout simplement, voilà, rien de très compliqué. Donc là, je pars en voiture de la maison, je me gare au métro, parce que le métro est à côté de la maison, mais que j'ai la flemme de marcher quand même 1,5 km après une journée de travail. Y aller, ça va, mais le soir, ça me gonfle. Donc je me gare au métro, il y a un gros parking, et une fois que je suis garé au métro, je prends mon petit métro, je vais au boulot, il y a un CD de passage, tu t'arrêtes, merci. Je prends mon métro, je vais au boulot, et du métro au boulot, je marche, parce que ça fait du bien de temps en temps. Et puis voilà, donc là j'arrive et il y a un peu plus de lumière, hop, on va couper, manière de voir, j'arrive au métro Palma-Gramont. Donc là on est en nocturne, vraisemblablement ça devrait être réellement dégueulasse la qualité maintenant. Et puis c'est tout, alors là il y a des passages piétons, il manque des trucs partout. Et je suis très, c'est le moment où je suis très content puisque je vois tout le monde, pardon madame. Et c'est le, je vous en prie, c'est le moment où je vois tout le monde s'encastrer, s'enquiller, s'entasser, c'était le mot que je cherchais. S'entasser pour prendre le périphérique alors que ben, en fait il suffit de prendre le métro. C'est pour ça qu'il y en a un et c'est plus simple. Je vous fais des gros bisous, j'arrive au parking qui se situe juste devant moi. J'ai la flemme de tourner la caméra pour vous montrer. Non, je vais vous emmener dans le parking, ça va faire une vidéo rigolote. Allez, ouvre-toi petite, ils ont réparé ça aussi. Hop, clac. Donc le parking est réservé évidemment, il faut que vous ayez validé un titre de transport au cours de la dernière heure pour pouvoir sortir gratuitement du parking. Jusque là ça va, c'est logique, rien d'insensé. Pareil, vous ne me voyez pas, donc je vais rallumer quand même, hein. On va pas pousser le vis trop loin. Pousser le vis, ah putain, il n'y a pas une blague à faire, pousser le vis, pousser Presley. Pousser le vis trop loin, pousser le Presley trop loin, pousser Presley trop loin. Bon allez, ce sera la blague à caler dans une réunion aujourd'hui. Faut pas pousser Presley trop loin, pousser le vis. Ah, le can, tu es tellement rigolo. Heureusement qu'on t'a recruté, tu apportes du dynamisme dans cette équipe. C'est fabuleux. Et donc là, à 500 mégas en 4K la minute, je suis en train de péter le support juste pour dire des blagues pourries. Juste pour attendre d'arriver dans le parking qui est donc ici. Clac, parking très bien fait, donc j'ai une Honda Jazz et je manque de me prendre soit le mur, soit la bite tous les matins. Alors les mecs qui ont des grosses bagnoles, je sais pas comment ils bossent les mecs qui, si vous voulez vraiment que les gens utilisent les infrastructures, pensez-les pour tout le monde quoi. Enfin, moi je suis pas concerné, j'ai une petite bagnole, mais je comprends totalement que c'est pas prévu pour tout le monde, donc c'est de la connerie. Bonjour madame. Et donc voilà, nous sommes dans le parking, je vous fais des gros bisous, je me gare et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mademoiselle, merci, bonjour mon courage. Yo, voilà, il est 7h53, on arrive devant le boulot, j'espère que je suis dans le champ, parce que je sais absolument pas à quelle distance il faut que je me mette de la caméra pour bien filmer. Et je sais toujours pas non plus où sont les micros, donc c'est ce que j'étais en train de regarder sur le site de GoPro. Leur application est tellement bien faite que tu n'as pas le manuel de la GoPro. Au moment où tu associes ta GoPro, ça serait quand même bien que le manuel se télécharge ou qu'il soit directement dans l'application, etc. De telle sorte que tu puisses regarder ce qu'il y a dans ta GoPro, chercher des astuces, etc. Même si tu es hors ligne, puisque par définition tu es connecté en wifi à ta GoPro quand tu bidouilles avec, donc ça serait quand même bien d'avoir les trucs en hors ligne. Bref, 7h53, il était censé pleuvoir, j'ai mis un t-shirt et effectivement il ne pleut pas, soyez positif. Petit truc, quand vous êtes dans le métro ou ailleurs, etc., prenez toujours les escaliers, pas les escalators, encore moins les ascenseurs. Les escaliers, vous marchez, ça fait faire du sport, etc. Ça commence là, avoir un rythme de vie sain, etc. Et puis voilà, moi j'arrive devant le travail dans pas longtemps, histoire que vous sachiez pas où c'est, je m'arrête ici. Et comme vous le voyez, on est en pleine cité du Mirail, donc je vais peut-être pas trop sortir la Hero 5 Black tout le temps, non plus. Hein.
C'est fait partie des petites joies de ce boulot, c'est que quand tu es dans le travail, c'est bien, t'as l'impression d'être dans une ambassade en zone de guerre en fait, et quand tu sors du boulot, tu te dis mon Dieu, quelqu'un va me tuer, je vais même mourir. Non, paradoxalement, ça se passe très bien ici, et hier j'ai eu des emmerdes au métro Balma-Grammont avec un petit con qui faisait 30 kilos de moins que moi, mais qui... c'était quand même chaud. Bref, je vous fais des bisous et c'est parti pour une journée de travail. À ce soir. Boum, la journée terminée, il fait du vent et du coup je sais absolument pas si j'ai les doigts sur les micros ou pas. C'est un vrai faux test pour le coup. Journée de travail assez sympathique et ce qui a été marrant, c'est que du coup on m'a amené mon ordinateur sur mon poste de travail, donc du coup je peux presque bosser même si j'ai pas encore tous les accès pour pouvoir réellement travailler. Et en voyant mon bureau tout propre, mes collègues de travail m'ont demandé de ranger leur bureau et de leur faire une démonstration d'organisation, ce qui est donc très très cool. Et c'est tout. Donc voilà, la journée se termine. Il est un truc comme 16h20. Oui, c'est de bonne heure. Mais ça sera pas trop tôt parce que j'ai quand même une vidéo en 4K à monter, exporter et surtout envoyer avec ma connexion pourrie. Le stress de ce GoPro, c'est vraiment de savoir si je mets les doigts sur un micro à un moment donné. Il y a 3 micros et je sais pas si assez passer sur un autre micro si jamais on foire. C'est quand même assez chelou. Bref, let's go to the métro. On est en plein milieu du Mirail, donc je vais ranger la GoPro comme je vous disais et je vous fais des gros bisous. À suite. Yo, fin de journée, ça je l'ai déjà dit, sortie de parking avec un peu plus de lumière que ce matin, ça change, ça fera pas de mal. Toujours avec les micros configurés en frontal, sans réduction de bruit, donc j'espère que sans réduction du vent, donc j'espère que c'est quand même pas mal, que c'est mieux. Hop là, du soleil, comme s'il en pleuvait, toi je vais t'écraser car ce n'est pas un passage piéton. Hop, on va passer sur la gauche, donc cette GoPro, dites-moi ce que vous en pensez. Normalement, quand t'es un con, normalement, voilà, merci beaucoup, ça s'est réparé, hier ça marchait pas si vous vous en souvenez. Je sais même pas si j'ai filmé hier, mais non, j'avais pas la GoPro, je suis con. Cette GoPro Hero 5 Black, dites-moi ce que vous en pensez. Là, normalement, c'est un peu mieux configuré. Comme je vous disais hier, il n'y a pas de stabilisation optique dessus. C'est ce que je trouve très dommage, qu'il n'y ait pas de stabilisation optique. Les Sony en ont, par exemple. Après, je suis quand même assez fan de... Je suis très fan de Sony, mais je suis quand même encore plus fan du système GoPro, en fait. Je trouve pas l'ergonomie fun, l'ergonomie de la... des Sony fun, et du coup ça me gêne beaucoup, alors que l'ergonomie des GoPro est quand même très 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 bien pensée. On peut dire ce qu'on veut, ils sont quand même en retard sur la stabilisation optique, etc., mais c'est quand même des très bonnes caméras faciles à utiliser en fait, et c'est tout ce qui compte dans une action cam. Il faut que vous puissiez l'attraper, clac, déclencher et bam, ça part et vous filmez et ça vous fait pas chier le temps que vous filmez, etc. Il va falloir que je foute un coup de tournevis en fait sur cette fixation, parce qu'il me semble qu'elle bouge un petit peu régulièrement. Alors, je sais pas si c'est les différences de température chaud-froid, etc., mais toujours est-il qu'elle bouge. Voilà, fin de journée, je vous fais des gros bisous, je vais rentrer et monter cette vidéo. Bonjour mademoiselle, je vais rentrer et monter cette et puis je vous mets ça en ligne en 4K direct. La vidéo d'hier est en 4K depuis ce matin 10h, donc ça c'est cool, et des bisous encore une fois. Ciao ciao.